J'ai acheté un ESP32 et j'avoue, j'ai eu un peu de mal à m'en servir. Pourtant, j'ai l'habitude d'utiliser des cartes Arduino, mais là, on est quand même un peu sur de la tech légèrement différente. Donc dans cette vidéo, on va faire ensemble un petit exercice relativement simple pour pouvoir prendre en main un ESP32. Et si jamais, directement dans la description, je te laisse aller voir, je t'ai renseigné tous les liens pour tout le matériel que j'utilise dans cette vidéo. Donc au travers de cette vidéo, on va voir ensemble comment configurer l'IDE et également comment alimenter une LED en fonction d'un petit événement. Donc on va pouvoir aborder un petit peu de programmation en rapport direct avec les différents capteurs de cette carte. Mais encore une fois, ce sera rien de bien compliqué, rassure-toi. Mais tout d'abord, à quoi sert cette carte? Elle possède tout de même l'énorme avantage de posséder directement un module Wi-Fi et un module Bluetooth intégré, ce qui donc dans un premier temps permet quand même un maximum de connectivité à l'aide d'un serveur web ou tout simplement avec une appli en Bluetooth. Après, c'est également la version améliorée d'une ancienne carte, le ESP8266. Bon, pour le coup, j'ai jamais eu l'occasion de l'avoir, mais c'est pas spécialement dramatique puisqu'apparemment j'ai mieux. Mais en plus de cette connectivité, l'ESP embarque directement quelques capteurs plutôt sympathiques, notamment un capteur à effet Hall qui permet donc de détecter les différents champs magnétiques. Mais également sur une dizaine de pattes différentes, l'ESP embarque directement un capteur capacitif. En gros, c'est le même type de capteur, en tout cas c'est le même principe utilisé, pour pouvoir détecter le toucher sur un écran de smartphone. Et donc ces pattes vont permettre de détecter le toucher humain. Bon après, ça reste peut-être pas la chose la plus utile au monde, mais c'est tout de même sympa d'avoir ce genre de fonctionnalité sur une petite carte comme ça. Bref, mon but aujourd'hui, j'ai dit que c'était d'allumer une LED. Mais je veux ajouter à ce petit projet que je veux allumer la LED uniquement si je touche une des pattes qui permet de détecter le toucher humain. Donc une des pattes qui utilise un de ces capteurs capacitifs. Donc pour pouvoir faire ça, on se basera d'abord sur l'exemple du Blink proposé par défaut sur Arduino. Mais on va également s'aider d'un autre programme qui s'appelle TouchRead qui est proposé uniquement pour les cartes ESP32. Mais avant de pouvoir faire ce programme, on va devoir configurer l'IDE. Pour ce qui est de l'installation, j'ai dû me fier à ce que je comprenais d'un e-book en allemand que j'ai reçu lors de l'achat de mon ESP32. L'e-book était aussi censé être en version française ou anglaise, mais j'ai pas eu les moyens de mettre la main dessus, donc passons. Bon, comme je parle absolument pas allemand, j'ai dû me baser uniquement sur les images. Bon, on a quand même pas mal de docs intéressantes, mais pour l'instant, il va falloir qu'on ait téléchargé l'IDE directement sur le site officiel d'Arduino. Si évidemment c'est pas déjà fait. Ensuite, si on n'a jamais installé de ESP32, on va aller dans Fichier, Préférences, et dans ce menu, on va renseigner un URL au champ URL de gestionnaire de cartes supplémentaires. Ce lien, je vous le mettrai directement en description, mais moi il était renseigné directement dans l'ebook. Une fois que c'est fait, on va dans Outils, Type de carte, et on clique sur Gestionnaire de cartes. Dans le champ de recherche, on va rechercher ESP32, et on installe ce package si ce n'est pas déjà fait. Bon, moi c'est déjà fait, donc j'installe rien de plus. On va donc pouvoir commencer à le câbler, et seulement après on pourra enfin coder. Je vais donc reprendre le schéma proposé dans l'ebook. C'est-à-dire que je vais connecter une LED à une résistance, et le tout sur le pin 2 de l'ESP. Bon, ma résistance à moi, elle fait 220 ohms, mais honnêtement, ça change presque rien. Et bien évidemment, la cathode, on va la connecter sur le GND de l'ESP. Et maintenant que le câblage est fini, on va pouvoir commencer à programmer. Dans un premier temps, je dois définir que le pin 2 est une sortie pour pouvoir alimenter la LED. Donc dans le setup, on va écrire serial.begin 115200 pour débugger et communiquer avec la carte. Ensuite, on ajoute un délai de 1 seconde pour laisser le temps à la liaison de s'établir. Après ça, on écrit pin mode 2,output pour mettre ce pin en sortie. Juste après, pour allumer la LED, on va aller dans le loop et on écrit digital write 2, I. Et si jamais on veut éteindre cette LED, on va écrire digital write 2, low. Comme ça, avec ces deux instructions, on sait comment allumer et éteindre une LED. En l'occurrence, ici, c'est la LED sur la patte 2. Maintenant, je veux que la LED s'allume uniquement quand on touche la patte 12 de la carte. Alors, pourquoi la patte 12? C'est parce qu'elle fait partie de celle qui peut détecter le toucher humain. Mais parmi toutes celles qui le pouvaient, bah, j'ai choisi plus ou moins au hasard. Au niveau du code, on va rester dans le loop et on va devoir lire la valeur renvoyée par le pin 12. Donc, on va utiliser la fonction touchRead qui a l'air d'être une fonction spécifique à l'ESP32. Pour l'utiliser, on va définir un integer que j'appelle juste val, et cet integer va être égal à touchRead T5. Cette fonction renvoie une valeur en integer et contient un paramètre d'entrée qui correspond donc au pin que l'on veut lire. Ici le pin à lire c'est le pin 12 de la carte qui correspond à T5 pour touch 5. Par contre dans la mesure où c'est le premier projet avec le ESP32, eh ben on sait pas vraiment quel type de valeur va être envoyée. Parce que ça peut aussi bien être 0 quand on touche pas et 800 quand on le touche, que 2 quand on touche pas ou 4 quand on le touche. Du coup pour savoir à quelle valeur correspond quel événement, on va donc écrire dans la liaison série la valeur de notre variable val. Bon, moi je connais déjà l'ordre de grandeur, donc je sais que si je touche la patte T5, donc le pin 12, la valeur qui va être envoyée à mon ESP sera inférieure à la valeur 30. Au contraire, si cette valeur est supérieure à 30, et ben ça veut dire que je ne touche pas la patte. Donc if val inférieur à 30, on ouvre les crochets et dedans je dis que le pin 2 sera à écrire à l'état haut. Donc on va allumer la LED. Ensuite on ferme le if et on ajoute un else, on ouvre les crochets et digital write 2, low pour éteindre la LED. Pour ne pas reproduire la mesure trop vite et quand même avoir le temps de voir s'allumer la LED, j'ajoute un petit délai de 20 millisecondes.
et voilà, le code est à présent terminé. Il va donc falloir maintenant téléverser sur la carte. Pour ça, on va commencer par connecter la carte au PC avec un câble qui permet de faire passer de la donnée sur un port USB. Ensuite, on va aller dans Outils. On se rappelle qu'on avait déjà installé le package ESP32, donc on peut voir à nouveau dans Type de carte qu'il y a plein de nouveaux modèles qui sont renseignés. Donc nous, on va pouvoir sélectionner le ESP32 Dev Module. On retourne dans Outils et on peut voir qu'en dessous du type de carte, il y a maintenant plein de nouveaux paramètres. Honnêtement, moi je les ai pas modifiés, donc je sais pas exactement ce que ça fait. Même si en vrai, j'ai quand même ma petite théorie sur certains d'entre eux. Par contre, on va aller dans Port et on va sélectionner le port COM qui correspond à l'ESP32. Moi, c'est le port COM 6, donc je le sélectionne lui. Si jamais la carte est bien branchée, mais que l'IDE ne détecte rien, apparemment, il faut aller dans le gestionnaire de périphériques, regarder au niveau des différents ports COM référencés, et potentiellement mettre à jour les pilotes du port que je qualifierais de défectueux. Une fois que dans l'IDE, on a pu sélectionner la bonne carte et le bon port COM, on va pouvoir téléverser le programme sur l'ESP. Pour faire ça, on appuie sur téléverser et on va attendre que les 100% soient atteints. Si jamais ça ne marche pas, encore une fois, apparemment, il faut appuyer sur le bouton boot de l'ESP pendant que le message connecting apparaît en orange dans la console. Par contre, chez moi, ça marche très bien sans que j'ai forcément besoin d'appuyer. Donc je sais pas si c'est vrai, mais si jamais, ça ne coûte absolument rien d'essayer. Et maintenant que le programme est téléversé, on va pouvoir admirer le résultat. Et quand je passe mon doigt à la LED, ça allume, quand je retire évidemment la LED s'éteint, donc tout fonctionne, tant mieux. Donc à travers cette vidéo, on a pu voir ensemble comment configurer l'IDE pour l'ESP32 et créer un premier programme pour cette carte. D'ici quelques temps, je vais essayer de faire une vidéo sur le Wi-Fi avec l'ESP32, donc tu peux quand même t'abonner et activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Tu peux aussi me dire en commentaire si cette vidéo t'a été utile, ça m'intéresse grandement de le savoir. En tout cas, moi je te dis à très bientôt, c'était Surmel, ciao.